Bien écoutez, eh bien, salut tout le monde, et oui, on est là pour le nouvel épisode, eh bien, de Heart Gold, en fusion, en Counter-Lock, eh bien, que d'aventure, hein, parce que, voilà, je pense que vous avez vu, j'ai XP comme un ouf, on a quasiment plus de PP sur nos Pokémon, voilà, ils sont tous niveau 30 sauf Speedrun, hein, qui est pour l'instant 26, bon, je vais donner le Multi-Ex, donc il devrait monter. Dans cet épisode, on va direct utiliser un centre Pokémon, hein, vu qu'on n'a plus de points de pouvoir, tout ça. Voilà. On passe à 10. Et aujourd'hui, eh bien, tout simplement, je vais faire la tour radio. On va avoir moult dresseurs, hein, de la Team Rocket, justement. Il faut que je rachète des potions, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un shop ici. Je suis pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Non, il n'y a pas de shop. Du coup, bah, de toute façon, on se retrouve directement. À Doublonville, où on fera bien la Team Rocket. Très bien, nous voilà à Doublonville. C'est bon, on va pouvoir eh bien commencer tout simplement. Déjà récupérer notre uniforme de la Team Rocket, vous le savez. Dans le jeu, il faut se déguiser pour qu'il nous laisse passer. Allez, c'est bon, on est dans la tour. On va essayer de faire évoluer Psycar, qui est niveau 33 et qui devrait évoluer normalement au niveau 35, je suppose. Donc voilà, et enculé qui vient nous démasquer. Quel ingrat. C'est pas très grave, on va affronter de toute façon ce sbire. Puisque du coup, il va pas être content. Et oui, sous mes vêtements de la Team Rocket, eh bien j'avais d'autres vêtements. Incroyable. Allez, Cobalt Braze. Ok. Bon, ça va, niveau 26, on l'intimide. Donc on va faire un... On va faire un... Il est quoi? Il est feu acier du coup? Il est feu acier, hein, je pense. Je pense qu'il est feu acier. On va faire surf du coup. Ouais, c'est ça. Il est feu, c'est sûr. De toute façon. Gyroball. Ok. Bon, il est pas très lent ce poké. Donc ça devrait le faire, voilà. Ok. C'est passé, le premier. Green Man Mew, le retour. Très bien. Donc lui, il est spectre psy, hein. Et il augmente son attaque spéciale. Ok, bon, en vrai, ça va. Parce qu'il est spectre psy. On sait qu'il a prélèvement du destin, donc faut faire attention. À la limite, je pourrais l'endormir. Ouais, je vais l'endormir. Et comme ça, aucun risque. Voilà, il est mis KO, sans trop de problèmes. Allez, c'est parti, on va faire un maximum, hein, de dresseurs. Pour XP, justement, nos Pokémon Psycar. Ce serait vraiment bien qu'il évolue. On a eu une évolution, hein, au fait, pendant... Enfin, vous avez... normalement... Vous l'avez vu, hein, normalement. On a Lilith qui a évolué. Oh! Oh non, pas toi. Pas le Vérex. C'est chiant, ce poké. Heureusement, c'est pas l'évolution, hein. Allez, on va faire Becvrille. Bon, il nous fait rien, hein. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Ah, par contre, ça a XP de ouf, hein. Voilà, hein. Psycar qui passe niveau 34. Dans deux niveaux, il devrait évoluer. C'est stylé. Allez, sbire suivant. Il va nous envoyer quoi, lui? Putain, il a 5 Poké! Togekiss, ok. Ok, on l'a mis KO. Ça va bien XP ce combat, en tout cas. Ça, c'est cool. Un speedrun qui va prendre Parasport, non. Sucrocoups. Ok, on va se soigner quand même. J'ai un peu peur. Il est psy. Psy-vol. Vu que le type fée n'existe pas. Certains types fées ont été mis psy du coup. Aéroblast. Oh mon dieu. Oh, crit pas s'il te plaît. Ok. Ok. Et Becvrille. Ouh, on l'a tué en un coup, tant mieux. Ninjask. Ok. Topigo. Le topiqueur Smogo. Bon, en vrai, on craint rien de ce poké. Et puis il est sol, donc vas-y. T-Surf. T-Surf des familles. Voilà, easy. Oh non, pas le Vérex par contre, non. Putain. Heureusement qu'il est que 25, hein. Et il a eu coq, mais non, quel bâtard. Allez, il devrait mourir là avec cette attaque Becvrille. Voilà. Merci. Pyrone qui passe 28. Et on l'a battu. Bah écoutez, on n'a pas pris de niveau, mais Ridley a quasiment pris la moitié de son niveau, donc c'est cool. Et speedrun 2 niveaux, donc c'est plutôt cool. Scoraiox, tiens, lui, on l'avait jamais vu, il me semble. Fusion, donc, de Cizaiox et Scorvol. Hein. Je sais pas trop quel type il est, en vrai. Bah, dans tous les cas, ça va, non? Bon, on va tenter Becvrille, déjà, voir s'il est insecte, hein, ou acier. Ok, il est acier, du coup.
Un météore, il miss. Je vais te dire, tant mieux. Vas-y, on va faire surf. Oh, ça fait rien. Bon, je pense qu'on va switch sur Saint-Pel, là. Merde! Oula. J'avais pas vu ma vie, mais... J'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur. Je l'avoue. Après, il peut être sol aussi. Il pourrait être acier sol. Joy Aoshi. Je sais pas. Je sais pas trop, là. Ok, Girobal. Bon, il est... Et 100% acier, hein. A priori, il a que des attaques acier. Donc, tant mieux. Mais on l'a battu avec Oshi, c'est bon. Roubuzard. Ok, bon, lui, on a l'habitude. On va se soigner, mais néanmoins. Pas tant de dégâts que ça, donc c'est ok. On va faire point ombre, hein, simplement. Ok, critique, on le tue, parfait. Allez, sbire suivant, mon gars. On va tous les faire, hein, de toute façon. Cacturne. Ok, très bien, parfait, ça c'est un très bon Pokémon pour Psycar. Pouty Junior! Incroyable! Le bébé de Monsieur Pouty, de Monsieur... Monsieur Machin, Monsieur... Monsieur Poutou. Yo 28 quand même. Je reste devant un Pokémon Glace, bon. On va le faire quand même. Voilà. C'est nul. Pas de défense. Ça meurt. Zigoupa, allez, les Pokémon abusés. Fusion, bon, cette, je sais pas si on l'avait déjà vu, hein, peut-être. Bon, fusion de Zygarde ou pas, et Régigas, hein, voilà, gros bordel. On va faire Becvrille. Voilà, c'est battu. Et on passe niveau 35 avec ce Zigoupa. Hop, eh bien impeccable. Plus que un niveau et Psycar va pouvoir évoluer. Ensuite, on pourra passer à d'autres Pokémon. Parce que bon, faut tous les entraîner. On a également Lilith, hein, qui n'aurait pas tardé à évoluer, je pense. Je pense qu'elle évolue 35-36, un truc par là aussi. Grain du haut, ok. Donc ça, c'est acier vol, je crois. Ouais, acier vol, c'est un peu un poil relou. Bon, on va tenter des sœurs, voir, parce que c'est possible qu'on puisse le tuer en 3 coups, peut-être. Oh, même en 2 coups. Bah, parfait. Éboulement, on miss. Il miss, tant mieux, j'ai envie de te dire. Smogogong. Bon, là, je pense qu'on va switcher, parce que sinon, ça va vraiment être trop chiant. On va envoyer Sandpel. Goulaze. Ok, bon, ça, c'est bidon. Et Mélancophé. Très bien. Pokémon spec normal, je crois. Hein. Encore. On va pouvoir le battre. Facile. Voilà, easy. Ah, cette fois-ci, c'est un scientifique. Cobalfeu. Ok, pas de soucis. Niveau 30, par contre, hein, ça monte un peu. Ouh, le feu sacré. Heureusement que je l'ai intimidé. Ah oui, bon, il nous brûle, mais bon, ça va, là, on tape avec Surf. Donc, c'est pas trop un problème. On va pouvoir quand même le battre. Diatrampe. Oh, ok, c'est le tout petit. Bon, je pense que je vais switcher, là, quand même. Oh, et la danse Draco, t'es sérieux, mon gars? Le petit hippotrampe, là, danse Draco. Allez! Ouais, ouais. Faut pas rigoler de ça. Hein. On est quand même plus rapide que lui, hein, malgré la danse Draco. Tant mieux, je vais te dire. Et puis on le tue. Ok, crit. Easy. Et Barbicha en dernier Pokémon. Très bien. Voilà. Allez, la faille magique. Speedrun qui passe niveau 30. Ça y est, il a rattrapé l'équipe. Hein. Allez, manque pas grand chose en termes d'XP. Ça serait bien là qu'il évolue notre Psycar. Hein. Il aura vraiment des bonnes stats du coup. Rignotte. Ok. Rionnyot, ouais. Enfin, fusion de Riolu et Grignot, quoi. Vous connaissez. Allez, on va picorer. Allez, peut-être le sur lui, on ne sait pas combien il a de Pokémon. S'il te plaît. Ok, 3. Impossibilité. Krakapti. Ok, seul poison. Niveau 24, ça va le faire. On le connaît. On le connaît bien, même. Torteking. Ouh, là. Donc, plante, bah, c'est l'évolution, en fait, de notre... ouais, ça, c'est l'évolution, du coup, de speedrun, en fait. Ok. Il sera comme ça. Et, bah, il est plante poison, donc on va rester sur Becvrille. Bon, ça va pas suffire, hein. Crépillon! Ah oui, d'accord, légendaire. Bon, lui, ça va, il est psy pur, hein, donc on n'a pas trop de soucis à se faire dessus. On va partir sur quand même un Becvrille. Il ne reste plus beaucoup d'attaques avec Psycar d'ailleurs. Allez, le scientifique. On va faire le scientifique. J'espère qu'il aura un Pokémon suffisant pour nous faire level up. Colimuktek.
C'est la première fois qu'on voit la fusion de cette famille. Donc, comment il s'appelle? Mucuscule, Muplodocus et Electek, hein, tout simplement. Dragon électrique, Ampleur 9. Allez. Bien, il nous reste plus que le directeur, enfin le faux directeur à affronter. Eh bien, dans cette première partie de la tour radio. Et ensuite, je pense que grâce à lui, nous allons tout simplement avoir l'évolution de Psycar, hein, parce qu'il manque vraiment rien du tout. Il va être assez difficile, je pense aussi, hein. Admin Holo. Oh, il a spooké, putain. Monsieur Poutou. Je sais pas, je pense pas que je reste. J'ai un peu peur d'une attaque glace. Alors que j'ai. En plus, il y a l'alerte, la grêle, putain. Oh, c'est casse-couille. Ça reste toute la durée du combat, du coup, hein, la grêle. C'est bien relou. On va switcher. On va envoyer Sandpelt qui résiste les deux stabs. Alors, on va partir sur un point de feu. Tunnel! Ah! Ok! Écoutez, hein, on va. Putain, il est plus rapide que nous, ça va être trop horrible. Alors, on va double switch. Hein, on ne veut pas se prendre cette attaque x4. Vous en conviendrez. Yes! Yes, yes, yes! On l'endort. Ça aurait passé plus facilement, du coup. Hein. Ok, on le tue en deux attaques, donc c'est parfait. On est plus rapide que lui, donc là, il ne peut pas nous attaquer. Ok, Nidoran femelle. On va envoyer Lilith, hein, tout simplement. Relmer! Oh, c'est pareil, on l'avait jamais vu, lui! Ah il m'écrache un! Bah merci! Franchement, tu gères. Du coup, fusion de Rayquaza et de Welmer. Hein. Je pense que, voilà, hein, ça se voit tout de suite. Pokémon exclusif aussi à ce jeu. Du coup, il est Dragon O, hein. Ok, ça fait de très bons dégâts. Spatio Rift. Oh, Daymar. Relmer. Relmer en miniature, bien sûr. Bien sûr. Oh. Kikolos, on va devoir switcher. Bon, heureusement, il y a l'eau. En vrai, on peut envoyer tout simplement Dr. C. Parce que le Pokémon est type ténèbres. Et du coup, vu qu'on est x4 au type ténèbres, voilà. Hein, lol. Punition. Voilà. Lol. What? Mais punition, c'est du vin normalement. C'est vin de passe-power, hein, si je dis pas de la merde. Sans déconner, il vient quasiment de middle life. La punition. Oh. Eh mais s'il a eu une vraie attaque ténèbres, on est mort en vrai. Ok, bon, il se protège. Voilà, c'est bon. Ça passe. Surf va le détruire. Hein. Quoi? Il est pas feu? Attends, quoi? Il est ténèbres combat! Mais oui! Couillon! Couillon! Et il tape trop fort. Il tape trop fort. Je peux pas envoyer Sandpel. J'envoie quoi en fait? Ténèbres combat? Quelle punition! Ça va, je fais Poison Croix, je sais plus si. Ah non, Poison Croix faisait plus de dégâts. Eh ben voilà. On l'a battu. C'est pas simple lui, hein. Reste de Pokémon, Chuniti. Ok, ça va. C'est tranquille. C'est quoi comme type déjà? Je sais même plus. Hein. Insecte quelque chose, non? Et on le met KO, il reste plus que un Pokémon. Ah, holo. Pigrade. Oh non. Oh, c'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Et en plus, il télécharge de l'attaque spéciale. Bon, je vais me soigner. J'avoue que j'ai un peu peur là de perdre un Pokémon, mais. Je veux voir l'attaque qu'il veut me faire en fait. Je crois qu'il est poison normal ou. Je sais plus. Vibra quoi. Ok, bon. Il y a la pluie, mais on résiste. On est type plante quand même. Oh la vache. STP. Tu n'as pas de potion. Oh oui, il n'a pas de potion. Oh oui. Oui. Meurs. Meurs. Eh ben c'était dur, hein. Eh ben ce combat, il était pas simple, hein. Ouais. Porygrade, c'est chiant, c'est chiant. Surtout quand. Fulmigrel! Oui. Comme tu me diras, ça a que 5 pp, mais bon. C'est vrai que ça a très peu de points. C'est vrai que ça a très peu de points de pouvoir.
Ah, et Sifflerbe, c'est quand même fort là, ça nous a sauvé la vie. Hein. Si j'avais pas Sifflerbe, j'avais perdu le combat. Non, je pense que je vais pas prendre Fumigrène. Ouais, même si l'attaque est forte. Genre, j'aurais oublié Piqûre si j'avais eu une attaque plante, mais avec un peu plus de points de pouvoir. Enfin bon. En tout cas, on a Psycheur qui évolue, on a perdu personne. C'était tendu. Oh yes! Enfin, une récompense. Ah bah il en a fallu du temps hein, pour qu'il évolue lui hein. Yes! On a notre Dimoraptor mon gars. Le Dimoraptor qui est là. Il va avoir de bonnes stats j'espère. Ah quoi? Ah double évolution! Lui c'était pas prévu! Je savais pas qu'il évoluait au niveau 32. Ah parfait! Ah bah voilà, on a Torte King aussi du coup. Incroyable! Double évo! Oh stylé! Stylé stylé! Ça, c'est pas prévu, hein. Eh ben, nickel, hein. Nickel. Et il va prendre direct toxique. Ça, c'est bien, ça. Quoi que tu me diras, on a Poison Croix. Est-ce que c'est mieux? Je sais plus. Poison Croix, ça tape du 70 et ça du 80. Ouais, bon, on va enlever Poison Croix, du coup. Alors, on récupère la clé sous-sol où on fera, eh bien, le sous-sol, justement, dans le prochain épisode. Moi, je veux regarder les stats de mes Pokémon, du coup. Ah ouais, ah oui, là ça, là c'est cool. Et oh, 107 d'attaque, il est ultra rapide en plus. Bon, le bulk est moyen, mais ça va. Franchement, il y a pire. Eh bah c'est cool. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. On a eu 3 évolutions hein, dans celui-ci en tout cas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est assez rare. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien sûr. Et on se retrouve tout simplement, eh bien, vendredi pour la suite, eh bien, du Let's Play. C'était Dahlia, des bisous tout le monde et bye bye!